Nyangono du Sud, le célèbre chanteur et la star du Wayayuy, s'est mobilisé avec toute la sécurité cérémoniale et l'escorte chiénique pour accueillir le président de la République au boulevard du 20 mai, ce 20 mai 2022. Le président de la République célèbre actuellement les 50 ans de la fête de l'unité du Cameroun. Les militants se sont farouchement mobilisés, comme d'habitude, pour recevoir son Excellence le chef de l'État. Je me presse pour aller me mettre au rassemblement pour le défilé de tout à l'heure. Parce que nous sommes venus pour la fête de l'unité et nous sommes venus aussi pour voir notre chef de l'État parce que depuis, il nous a manqué de vue. Le président de la République est arrivé dans son pays, le Cameroun, après un court séjour européen. Il a ainsi mis fin à toutes les interrogations sur sa présence à la fête nationale. Il n'y aura donc pas de 20 mai sans le président Paul Biya, reçu sur le tarmac de l'aéroport de Nsimalène par le Premier ministre et quelques autres personnalités du pays, en dehors des heures bloquées et des moments d'intense transpiration pour attendre le passage du président comme à l'accoutumée, le peuple est très heureux de voir son chef que beaucoup dans l'État avaient déclaré en situation critique, sonnant ainsi l'alerte rouge. Pour le défilé du 20 mai, les militants se sont mobilisés pour accorder un accueil chaleureux au président. Le représentant des hommes célèbres Nyangono du Sud s'est mobilisé avec ses sympathisants, tous en tenue du président, pour recevoir triomphalement le Nomgi des Nomgi, le grand homme de tous les hommes lois. Les chiens, ce sont tous les habitants du Cameroun, et nous tous nous avons fêté, et les chiens, et tout ce que nous avons fêté avec eux. Le président est là. Vive le président. Que la fête commence, et à très bientôt. Merci de vous abonner à notre chaîne Premium Télévision pour ne rien rater des infos tout azimut, actualités sociopolitiques, culturelles et sportives du 237, du continent et du monde. À bientôt.